Lorsqu'on me taxe de dévaluer M. Olengankoy ou M. Bruno Tshibala, ce n'est pas moi, c'est le peuple. Je m'en vais pour preuve. M. Olengankoy, en 2006, il se présente comme candidat président de la République. Quelle audace! Il obtient 0,07%. Il récidive en 2011, il revient candidat député national à la Tchangou. Il fait 144 voix seulement. Monsieur Bruno Tshibala, il était sur la liste de l'UDPS dans la circonscription foncière du Mohamba. Il a obtenu 170 voix. Et il était le dernier de la liste de l'UDPS. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la CENI, c'est le peuple. Il a eu 170 dernier sur la liste de l'UDPS. Le premier, c'était monsieur Samy. Il a eu 19 000 voix. Rémi Massamba, 14 000, Jacquemin, 12 000, et Bruno Tshibala était dernier. Ce n'est pas moi, mon frère, je suis désolé, ce n'est pas moi. C'est le peuple qui vous a donné 100... De Ngoï, Moulunda. Mon cher, vous croyez à ces élections? Mon cher frère. Puisque Tshisekedi n'a jamais réussi aux élections, alors vous savez, on peut arriver à cette conclusion que même Tshisekedi n'avait jamais gagné ces élections. J'ai fait le contentieux électoral en 2011. Il y a eu récomptage de voix dans la circonscription foncière de Mohamba. Nous avons vu les voix. Bruno a eu 170 voix, dernier de la liste. Est-ce qu'une solution existe? Depuis quand que les paroles venues de votre bouche peuvent faire objet de foi? Il n'a jamais nié ça.